Donc, je suis Catherine Ambroselite de Bézère. Je suis la petite fille de Georges Desvalières, le peintre, et la fille de France, sa dernière fille, qui s'appelle France, parce qu'elle est née quelques mois après la mort de son frère Daniel sur le front d'Alsace, pendant la Grande Guerre, à 17 ans. Ce tableau est intéressant parce que c'est en 91, donc Marguerite, sa femme, est ici présente à côté de Claire, sa sœur, la sœur de Marguerite, et Émile, son père. Trois personnages très importants pendant la Grande Guerre. Marguerite va être le pilier de la famille, puisqu'elle va être à la maison et s'occuper, et même elle écrit à son mari tous les jours pour le réconforter. Sachez que son mari est resté quand même du mois de mars au mois de septembre seul. Il n'a pas pris de permission, alors que mars-septembre 1915, excusez-moi, alors que Daniel était mort en mai, il l'a su qu'en mai, deux mois après. Il n'a pas pris de permission, il laissait toujours les permissions à ses hommes. Et il n'arrivait qu'en septembre 1915 pour voir sa petite France qui était née. Claire était à Arras sous les bombardements effroyables. Et elle a permis à Marguerite d'aller dans le nord pour voir son fils Richard de temps en temps, qui était alors dans les endroits les plus dangereux, mais lui n'est pas mort. Et Émile, alors Émile, c'est assez étonnant cette histoire, parce que c'est son père. Il a plus de 90 ans pendant la guerre. Et il adore ses petits-enfants, et c'est lui qui s'occupe des enfants qui sont restés à la maison. Si vous voulez, il joue avec eux, et il va mourir quelques jours après l'armistice, quand son fils va revenir. Il aura accompli sa mission, il aura soutenu en tant qu'homme les enfants de son fils. Alors l'impact a été très important, parce que Georges Desvalières a été un chef hors pair. Il a d'abord été fondateur du Salon d'automne, donc c'était un grand peintre, mais il a abandonné ses pinceaux pour non plus conduire des jeunes peintres sur les cimaises, mais conduire des hommes sur un front, le front d'Alsace, qui était quand même un front très difficile, parce que beaucoup très froid, grande neige, on en parle moins que le front du Nord, mais c'était pour des hommes qui étaient des territoriaux, il était plus âgé, hein, il avait 53 ans quand il s'est engagé avec ces hommes territoriaux, donc c'était des chasseurs alpins, des chasseurs alpins à pied territoriaux. Il a fait une guerre très difficile, très près de ses hommes, grand humaniste, parce que non seulement il était un homme assez extraordinaire sur le plan humain, mais parce qu'il a perdu son fils de 17 ans, donc le grand frère de France. Donc ça a eu un grand impact, non seulement dans la famille, mais aussi dans le monde de l'art. Parce que pendant la guerre, il a pris la décision, au cours d'une bataille, de ne faire que de l'art religieux s'il s'en sortait, pour Dieu. Donc, il s'y est tenu, et lui qui était très 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 coté sur le plan profane, qui avait créé le Salon d'automne, qu'est-ce qu'il a fait après la guerre? Que des œuvres religieuses, reconstruction des églises et création des ateliers d'art sacré avec Maurice Denis pour refaire les églises avec des nouveaux artistes.